¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? J'ai répondu à toutes vos questions, monsieur le juge. Je veux aider Alessandro à prouver son innocence. Je veux que ce criminel de Médina soit mis en prison. J'ai rien fait de mal, je vous dis toute la vérité. Je ne suis qu'une simple victime dans tout ça. Je ne veux pas finir enfermée dans une cellule. Rien ne prouve que mademoiselle Zamudio ait commis un crime, il n'y a pas de preuves. Par conséquent, monsieur le juge, je vous demande d'ordonner sa libération. Bonjour, mon amour. C'est agréable d'entendre ta voix si tôt le matin. Bonjour, mon amour. Je suis désolée de te faire commencer la journée par une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Lauro va bien? Il est arrivé quelque chose à ma mère? Non, ne t'inquiète pas, ils vont très bien tous les deux, mon amour. C'est au sujet de mon frère. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Sa petite amie Monica a été tuée au cours d'une opération menée par la marine et... Ils étaient sur le point de se marier, Alessandro. Dimitrio vient juste de me le dire. Je suis vraiment désolé, mon amour. Dimitrio est complètement dévasté. Je m'en doute, c'est normal, il fallait s'y attendre. Où a lieu la veillée funèbre? Au funérarium d'Aguasul. On se retrouve là-bas. Je vais y aller avec Rose et Louise. Eh bien, il faudra qu'il ravale sa colère, parce que je veux rester avec Dimitrio et j'aimerais beaucoup te voir. Écoute ça. Hier soir, la marine a intercepté un conteneur rempli de drogue. Il y a eu un échange de coups de feu. C'était ici, à Agua Azul. Comment ça, à Agua Azul? Oui, oui. Oh, c'est horrible, j'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Tu sais quoi? Peut-être que Dimitrio était de garde à ce moment-là. Il semble qu'un officier haut gradé ait été tué au cours de l'intervention, mais il ne précise pas son nom. L'officier qui a perdu la vie dans cette intervention est la petite amie de Dimitrio. Oh. Non. Oh non, ce n'est pas possible, ça. Monica. Eh oui. Montserrat vient de m'appeler pour m'annoncer la nouvelle. Oh, quelle horreur. Et comment va Dimitrio? Il va très mal. C'est normal. Elle m'a dit qu'il était dévasté. Oh non, je ne le crois pas. Ils allaient se marier. Oui. C'est ce que Montserrat m'a dit. Je la retrouve avec Dimitrio au funérarium. J'aimerais apporter mon soutien à Dimitrio dans ces moments-là, mais je ne sais pas si c'est bien pour moi d'y aller. Tu me conseilles quoi? Il faut que j'y aille. Fais ce que ton cœur te dit. Je vais aller me changer. Hier soir, tu n'as pas fini de me dire s'ils avaient arrêté Maria. C'est fait. Maria a été arrêtée. Oh mon Dieu, c'est pas possible! Qu'est-ce qui s'est passé pour le testament? Ils l'ont trouvé? Non, pas encore. Ils ont fouillé sa maison, mais ils n'ont rien trouvé. D'après ce qu'ils disent, quelqu'un le lui aurait volé. Mais je crois plutôt qu'elle l'a caché quelque part ailleurs. J'espère qu'elle va avouer bientôt à quel endroit, pour que je puisse enfin prouver que je n'ai pas reçu illégalement l'héritage de mon père.
Mon Dieu, les mots me manquent. Dimitrio, je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment désolée. On devait aller dîner ensemble ce soir. Ensuite, on devait aller tous les deux sur la plage pour se retrouver en amoureux. Et... elle est plus là, c'est fini, elle n'existe plus. Petit Dimitrio, chérie, je suis sincèrement désolée. Je suis avec toi. Tu peux te pousser, Carlotta. Je voudrais être avec mon fils. Oh, laisse-nous. Avec toi. Non, je veux pas. Ne reste pas ici, s'il te plaît. Tu peux t'en aller. Tu ne peux pas me faire ça, mon fils chéri. Je suis ta maman, je suis là pour te consoler. Qu'y a-t-il de mieux que les bras d'une mère pour soulager une si grande douleur? Je t'aime, tu sais, mon bébé. Les bras d'une mère, tu dis? Oui. C'est ce que je cherche, oui. Oui. Viens. Viens. Tu ferais mieux de t'en aller, maman. Adolfo, tu es là. Je croyais qu'il n'y avait personne. J'allais repartir. Excuse-moi, Joséphina, j'ai un mal de tête épouvantable. Oui, moi aussi, je m'excuse de venir sans t'avoir prévenu, mais quelque chose d'horrible s'est passé hier soir. Il se trouve que la marine a dû intervenir contre des délinquants dangereux, entre autres un type violent prêt à tout, surnommé le Scorpion, qui a tué Monica Renteria. La petite amie de Dimitrio. Ceux qui sont dans la marine doivent se préparer à ce genre de choses, tu ne crois pas? Je suppose qu'eux aussi ont tué beaucoup de monde dans cette opération. Eh bien, oui, c'est sûr, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je veux dire... Monica est quelqu'un de bien, enfin, était quelqu'un de bien, alors que ces criminels... Je comprends qu'ils aient le droit de vivre, mais c'est différent. Je me sens pas bien. Voyons, Adolfo. Quoi? Dimitrio a été ton ami pendant de nombreuses années. On ne peut certainement pas le laisser seul dans des moments aussi difficiles que cela. Accompagne-moi à la veillée funèbre juste quelques instants. Joséphina, tu sais que je n'ai jamais aimé aller aux veillées funèbres. Crois-moi, les dernières personnes que Dimitrio a envie de voir en ce moment sont toi et moi. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, je suis sûre que ça lui fera du bien de recevoir un peu de soutien de notre part. Est-ce que tu savais ce que Dimitrio avait proposé à sa petite amie Monica? Dernièrement encore, il était follement amoureux d'elle. Je dis qu'il a besoin de nous et que nous devons lui rendre visite à cette veillée. Allez, Adolfo, accompagne-moi, s'il te plaît.
Comment ça va? Je suis triste, bien sûr, et inquiète pour mon frère. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Même à la mort de mon père. C'est une chose de vouloir me faire passer pour un imbécile dans mon dos. C'en est une autre, de t'exhiber comme tu le fais devant tout le monde. Le respect. Respecte-moi en public. Je suis ton mari. Je ne fais rien de mal jusque-là. Donc, je te respecte. Et ce n'est pas vraiment le moment ni l'endroit pour te plaindre. Doucement. Contrôle-toi. Contrôle tes pulsions. Contrôle tout ce que cet homme provoque chez toi. Si tu ne veux pas que ton petit frère pleure à un autre enterrement. Je ne suis pas comme toi, Montserrat. Moi, je tiens parole. Je tiens mes promesses, alors contrôle-toi, c'est compris? Nadia, tu la mets pas comme il faut, elle est pas droite comme ça. Excuse-moi. T'es plus bonne à rien, mets-la bien. Excuse-moi, Pedro. Mets-la comme il faut. Je suis pressé, mets-la droite. Une seconde. Au fait, dis-moi, tu ne veux pas que je t'accompagne? Comment tu peux penser ça? Je préfère que tu restes à la maison. Maintenant que t'es aveugle, tu n'es qu'une gêne. Oh, relâche-moi. Madame, Amelia est ici, monsieur le gouverneur. C'est bon, merci, Susanna. Bien, bonjour, monsieur. Pedro, comment ça va? Quel plaisir de te voir ici. Tu peux m'attacher ça, s'il te plaît? L'aveugle n'y arrive pas. Oui. Elle se met comme il faut. Approche-toi. Tu sens délicieusement bon. Oui, toi aussi, tu es très élégant, Pedro. Nadia? Bonjour, je suis contente de vous voir. Bonjour, Amelia. Bonjour. Pedro, je voudrais passer la journée avec ta femme. Tu m'y autorises? Oui, Amelia. J'ai une journée très compliquée. Vous venez boire un café avec moi chez Joséphine? Je ne sais pas si Pedro m'autorise à sortir de la maison. Si ça veut dire que tu vas voir Joséphina, c'est... Comment elle peut aller la voir? Elle ne peut même pas marcher, elle s'entrave partout. Qu'elle lui rende visite alors? Qu'elle lui rende visite? Oui, ça me paraît bien. Bon. Attention seulement si des gardes du corps y vont avec toi. Oui, ça ne me dérange pas. Sûr? Oui. Oui. On est bien d'accord. Oui. Oui. Alors, c'est parfait. Oui, complètement, Pedro. Merci mille fois. Pedro. Merci. Donc, j'emmène Nadia avec moi. On passera prendre Victoria à l'école. Et ensuite, on ira chez Joséphine. Voilà ce que sera notre journée. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai très bien de ta femme. Oui, je le sais. Alors, passez une bonne journée. Ça y est, il est parti. Oui, il est parti, Nadia. Merci beaucoup, Amelia. Merci beaucoup. Toutes mes condoléances, Dimitrio. Ah, quand je vous vois l'air perdu comme ça, ça me fait je sais pas quoi. Mais bon, notre Seigneur sait pourquoi il fait ça. Vous verrez que bientôt, il vous redonnera de la force et du courage. Merci de m'avoir accompagné, Adolfo. Dimitrio, je suis vraiment désolée. J'espère que tu ne nous en veux pas d'être venu. Tu sais que je suis très, très triste de te voir dans une si grande peine. Je te le dis du fond du cœur. Oui, Joséphina, je le sais. Je le sais, merci. Je suis... désolée pour toi. Pourquoi on ne peut pas aller voir mon oncle Dimitrio? Il doit être bien triste.
Ton papa et ta maman sont avec lui. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'aller te chercher plus tôt à l'école. Je t'ai quand même promis qu'on irait très bientôt embrasser ton oncle Dimitrio. Je regrette que t'aies pas pu voir Victoria. Moi aussi. Ils l'ont pas laissé sortir de l'école. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que je pourrai la voir plus tard, parce qu'elle me manque vraiment beaucoup. Je vais ouvrir. Ma princesse! Papa! Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Victor, je suis passée la prendre à l'école. Merci, Amélia. Merci de l'avoir amenée, même si c'est juste pour un petit moment. Je ne suis pas venue qu'avec Victoria. Ah, mais attention, soyons prudents, parce que dehors, il y a des gardes du corps. Tu viens avec moi, chérie? Elle est ici? Tengo fuerzas para amarte, tengo ganas de entregarte mi pasión, mi abrigo, mis sueños, mis mejores tardes. Y aún tengo fuerzas para amarte, tengo ganas de quedarte. Mon amour. Hasta que sea la hora de marcharme. Mon amour. Comment ça va? Très bien. Voilà, j'arrive. Une seconde. Fabiola, mes enfants ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Je n'ai plus que toi. Je n'ai plus que toi sur terre, Fabiola. Je n'ai plus que toi sur terre, toi. Non, on n'est pas des amies toutes les deux. On a passé un accord, mais cet accord n'inclut pas que tu viennes chez moi pleurer sur tes problèmes. Ne sois pas injuste, Fabiola. J'étais là, moi, j'ai séché tes larmes quand tu étais dans la solitude la plus complète. Excuse-moi, je me sers un autre verre. Tu n'en as rien à faire que je sois orpheline, et moi, je n'en ai rien à faire que tu perdes tes enfants. Une chose nous réunit aujourd'hui, l'argent d'un autre. C'est tout, Graciela. L'ambition est la seule chose que toi et moi avons en commun. Tu vas m'aider à ne pas perdre tout ce qui est ici. Et moi, je te dédommagerai très généreusement pour ton aide. Je vais te demander de ne pas boire pendant que je te parle, Fabiola. Pour qui tu te prends pour me dire ce que je dois faire? Les choses en sont arrivées à un tel point. Une seule erreur, même minime, de ta part pourrait te coûter plus que tu ne crois, Fabiola. Alessandro est à Agua Azul, il est sur le point de pouvoir prouver son innocence. Je te rappelle que tu pourrais aller faire un tour en prison quand ton cousin prouvera publiquement que tu lui as volé toute sa fortune. Pour en arriver là, il faudra d'abord qu'il ait entre les mains le testament que je lui ai volé. Toi et moi devons d'abord retrouver ce testament. Tu te rends compte que si je décide de t'aider, je pourrais causer le plus terrible des malheurs qui soit à ma fille. Tu te rends compte de ça? Non. Ce ne serait pas la première fois, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire une petite chose. Si tu ne me protèges pas ou si tu ne m'aides pas comme tu me l'as promis, s'ils me prennent tout ce qui est là et que je finis ma vie en prison, j'accuserai Montserrat d'avoir éliminé ce pauvre Sandro. Alors réfléchis très sérieusement à ce que tu vas faire. Tu n'accuseras Montserrat de rien du tout. Parce que tu sais quoi, Fabiola?
J'ai déjà les moyens de prouver devant les juges que ma fille est innocente.